Re les gens, est-ce que ça va marcher le live? Bon, on va attendre un peu le temps que YouTube reçoive l'info que dans leur tête. Je sais plus ce qu'on va faire. On va faire la plus courte, je pense. On fera celle de oh, remarque, celle-ci à une demi-heure. On va faire 35 minutes. Et puis voilà. Alors, on croise les doigts. Est-ce que ce sera pas buggé? Oui, c'est bon, je vois mon live. Donc c'est parfait. Donc je recommence un peu tout ce que je disais. Bon, du coup, on change un peu. Vous avez vu, on faisait du GTA, on faisait du Far Cry, souvent du Far Cry d'ailleurs en ce moment. D'ailleurs, j'ai fini le jeu pour vous dire. Bon, j'ai pas fait de live parce que. Enfin bref, voilà. J'ai pas fait de live. On a fait un peu de Red Dead, beaucoup de Red Dead. Du Mafia Definitive Edition aussi. Bon, j'ai même pas fini le jeu hein, pour vous dire. Et là, on se retrouve sur Train Simulator 3. Comme ça, on change un peu. Alors, est-ce que tout marche? Ouais, c'est parfait. J'affiche le live comme il faut. Le chat aussi, tout est bon. Allez, on est parti. Itinéraire à grande vitesse. Let's go avec le Soulstir Nightspeed. Sais pas si vous. Ah, il y a Train Sim World 4 qui est sorti. Il est marqué pre-order, je crois. Allez, let's go. Voilà, on allume la radio, enfin la radio, les lanternes. Hein. Comme ça, pour ceux qui prennent le train régulièrement, vous savez pourquoi c'est si long. Et là encore, j'ai envie de vous dire que c'est sur un jeu vidéo. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, ventilation, clim de toit. Donc le froid, c'est bon, phare de jour. On va se... Ouais, marche avant, c'est bon. Alors, moi j'ouvre toujours une petite porte, comme ça vous voyez, j'entends les sons de dehors. Ah oui, d'accord, il est 17h17 et on devait partir à 14. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, donc on est légèrement en retard quand même. Il a des pop, peut-être? Je crois qu'il a des pop. On va du coup, ça veut dire qu'on va se bouger un peu plus, quoi. Admirez ce jeu. C'est vraiment super stylé. En plus, version PS5, vous pouvez pas avoir mieux. Hein. Allez, let's go. Normalement, j'ai le pantographe. Ah non, je l'ai pas. Ça a dû bugger. Voilà. Ah non, bah toujours pas le pantographe. Bizarre. Même s'il doit être derrière. Ah voilà, il est derrière. Là, vous voyez. Là, on entend le bruit du moteur qui accélère. Si je ferme, on n'entend rien. Moi, j'aime bien entendre. C'est vraiment le meilleur des trains, celui-là. Un peu quand même la simité, je vois pas 60. Allez, est-ce gratuit la BR442? La BR442,
Comment ça, la BR442? Moi, je suis pas trop. C'est pas si c'est un modèle. Je ne connais pas la BR442. Est-ce gratuit? Je sais pas de quoi tu parles, Shadow. Le train rouge allemand. Ouais, en fait, il faut un pack qui va avec. Si t'as le. Je sais plus ce que c'est le. Enfin, c'est le nom du pack, je sais plus. Et après, oui, normalement, tu vas. Moi, j'ai toutes les versions. J'ai que. Ouais, j'ai que les trucs à vapeur, j'ai pas. Mais sinon, oui, si t'achètes la version depuis. Avec le jeu, tu les auras, ouais. Mais celui qui est rouge, moi, j'ai pas les. J'ai pas des trajets. J'ai le train, mais. Enfin, je sais pas. Ça doit être. Les développeurs ont pas dû faire, j'en sais rien. Mais. Si c'est ça que tu parles, moi non plus j'ai pas de trajet. Justement, j'aurais bien aimé jouer avec. Justement, je sais pas s'il faut peut-être acheter deux trajets. Je ne sais pas. Oh, il y a de la route. Pourquoi il me fait ralentir? Mais ouais, il y a un. Oh là là. Me faire ralentir alors que je vais même pas m'arrêter. 225, bah faut savoir. Parce que je crois que ouais, y a trois modèles de train allemand, je crois. T'as le Icebreaker, là, celui qui est tout blanc et qui va à fond, là. Après, t'en as un, c'est une sorte d'électrique à moitié. Et oui, le troisième, ouais, le rouge, je vois lequel tu parles. Mais ouais, celui-là, je ne sais pas. Alors je vais activer le. Voilà. On va à fond en fait là.
Remarque, on a déjà fait pratiquement la moitié du trajet. Je suis en train de me dire qu'il y avait une ligne en plus de TGV. Imaginez les gars, le TGV qui va à 300 km/h, je sais pas si on va réellement à 300, mais déjà là 200, ça va super vite. Alors, imaginez 300. On a plein là, des trains là sur la ligne là. Est-ce qu'on va en croiser d'autres? Oh, c'est dangereux de ouf là, le croisement là qu'il y a là. Ça doit être un pont. T'imagines les quatre rails là qui se croisent comme ça. En plus, il y a un train devant moi là. C'est-à-dire, à tous les coups, je vais devoir m'arrêter. Ah, c'est grave ça. Pourquoi ils me mettent conduite en excès de vitesse? La gueule là. Même mis sous. Il y a un autre train que je vais croiser de l'autre côté là. Je l'ai pas vu. Là par contre, on va commencer à ralentir parce que déjà qu'il y a une descente de 2,5 m. En plus, je vais bientôt décélérer là pour l'entrée en gare.
Oh, j'ai pas été assez réactif, du coup il m'a enlevé le truc, ce bâtard. Oh putain. Oh là là, c'est chiant en fait le. Voilà. Pourquoi il me fait sonner Oh mec, je vais l'enculer. Allez, ferme ta gueule. Oh, c'est chiant. On va se mettre un peu plus loin. Là. Oh, c'est relou, là. Le mec, il me fait arrêter en bout de piste. Attends. Jusqu'à 33. Et là, attends, qu'est-ce qu'il va y demander? Position l'inverseur sur neutre. Maintenez CC enfoncé pendant 2 secondes. 1, 2. Appuyez sur le machin pour baisser les flotteurs. Là logiquement mon pantographe est baissé. Yes, tout est baissé. Bon, ça j'ai rattrapé mon retard. Il faut refaire un chargement, et eh ben, on n'est pas rendu là. Que c'est long. En fait, la meilleure route, c'est vraiment
De là à là. Puis après, parce que là, de là à là, j'aurais. Ah ouais, j'aurais même pas de pantographe, ça va être long. Y a pas genre un endroit où il faut que je remette mon freinage maximal. Et là, après, c'est pour tout descendre. S'arrêter, s'arrêter, embarquer. J'ai encore deux arrêts. Puis voilà. Le dépasser, c'est pas grave. Merde, j'ai du retard. J'allais prendre le truc là, mais tant pis. Attends, je peux le prendre sans le... Merde. Attends. Bon, c'est pas grave, tant pis. Est-ce que j'ai le temps, juste? C'est quoi le truc que je devais prendre? Ah, ils me disent pas! C'est pas ça, là? Non. C'est vrai qu'ici faut pas aller. Oh ouais. De toute façon là j'aurai 50 là après. Allez, voilà. Du coup, enfin, ils m'ont dit que c'était. Voilà. Et ils en prennent du temps à me mettre sur le régulateur. Après s'ils me mettent avec cette vitesse, je perds des points. Genre je peux faire ça. Non, ça fait moche. Mais du coup maintenant je dois rouler à 70 là. Aïe aïe aïe.
test KVB. Ouais. Si, dans les entraînements, tout ça, ils devraient dire à quoi tout ça sert là, parce que signal danger KVB. Je sais pas ce que c'est tout ça là. Allez, go conduire comme ça, je pense qu'on a pas mal de visibilité là. Marc, c'est peut-être mieux de rouler là à 80 tranquille plutôt qu'aller à 130 et enfin à 220 dans un tunnel. T'es proche du quai celui-là. Oeil. Il faut juste prendre le train. Malade. Mais c'est vrai qu'ici ça compte comme un excès de vitesse. C'est 1 km au-dessus, ça je perds plus de points. Je perds 15 points. N'importe quoi. D'ailleurs, il y a des passagers au moins dedans? Non, même pas. C'est ça qui est dommage, c'est que... Bah, ah si, quand même. Il y a personne. 2, 3, 4, 5, ouais. Oula, 15 km heure en... Oula, 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 oula. Dans 1 miles, il faudrait que j'aille à 15. Ouais, c'était en off. Hein. Comme ça, on ralentit petit à petit. Et... Alors, remarque, s'il faut que j'arrive à 15, freinage minimal. Ah, même lui, il avance pas. C'est bien lent quand même. Je ralentis trop vite là.
Voilà. Alors, ensuite, il faut que j'embarque le monde. Que j'arrête le train, que j'active le machin. Merde. Bon, on va éteindre tous les trucs là. Hop, hop, hop. Ensuite, on va laisser comme ça. Voilà. Venteur off. Ah ouais, d'accord, il faut que j'attende 1 minute encore. Alors, phare. Off. On désactive. Et puis personne. Ah oh, mais si, il y a encore du monde, mais quelle bande d'abrutis. Pourquoi ils sortent pas là? Je vais appeler l'aiguilleur. Ça va chier. Freinage maximal, position sur off même. Allez, hop, on se casse. Du coup, il y a encore des gens dedans. Allez, c'est moi que j'ai des bons stats là. Dac. D'ailleurs, les gens, pour ceux qui jouent aussi au jeu, est-ce que vous avez trouvé, enfin, vous savez comment s'inscrire avec un mail? Parce que moi, j'ai fait avec le mien, avec mon mot de passe, tout ça, mais je sais pas, ils me disent que c'est invalide. Donc, j'ai essayé les deux, me connecter, parce que comme j'ai une adresse mail active, voilà. Puis après, je me suis inscrit, ils me disent que c'est pas bon. Donc, je sais pas si vous avez réussi à faire, mais moi, je sais pas. Ah bah attends, on va voir ce que le gars m'a demandé tout à l'heure. Oh là, c'était avec celui-là, là, le rouge de tête. Ou alors lui, il fait n'importe quoi. Parce que lui, ouais, c'est un Allemand aussi. C'est lequel? Le BR442. Donc c'est lui. Vous voyez là-dessus, il n'y a pas de. Attends, c'est quoi? Ça m'a intrigué aussi parce que je me demande bien pourquoi, le pourquoi du comment est-ce que ils ont modélisé un train, ils se sont fait chier à le faire. Mais s'il n'y a pas de ligne, donc ça sert à quoi? Attends. Alors, trajet. Non, bah attends, on va déjà mettre. Train sim. World 3 BR 442 va mettre FR parce que les trucs anglais laissent tomber. Régulateur de vitesse, je m'en fous. ~2020, donc ça veut dire que le mec. Ouais, non, par contre, je vais mettre sur YouTube. YouTube PC sur mon mobile, ça va pas être bouffe. Alors, donc. Train Sim World 3. BR 442. Bug trajet. Et pourquoi je retrouve pas la vidéo du mec?
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, mais il est sur le 2. De 9 machin, j'ai bien mis 3, donc pourquoi est-ce qu'ils mettent 2? Bon, bah écoutez, moi je sais pas, mais sinon, c'est vrai que c'est chiant dans la boutique. Genre, il n'y a pas des trucs là de trajet, je sais pas. 29 euros, putain, merde. C'est quand même vachement cher leur machin. Quand même, c'est très cher. 30 euros pour te payer un train que tu vas jouer, quoi, tu vas jouer 2 heures avec. Peut-être plus, tu fais tous les trajets, tu fais des trajets libres. Ouais, 5 heures, grand max. Pff, oh ouais. Surtout qu'en plus, tu payes des trucs, mais honnêtement, la ligne avec les trucs allemands, je les joue pas du tout. Hein. Donc, je joue que les trucs anglais. Mais le pire, c'est qu'en fait, tu payes un truc, mais t'as que 2 lignes de dispo. Donc c'est chiant. On vient de Kassel-Wurtzbourg là. Scénario. T'as le l'icebreaker là. T'as le rouge, juste la loco. Voilà, pareil, que la loco. Là, t'as l'électrique. Ah, et les autres, alors? Et les autres, ben, voilà, quoi. Après, t'as le cajon passe. Ça, franchement, c'est le truc le plus long du monde. Genre, t'avances pas. Tu passes ta vie à faire des allers-retours et à gérer ton aiguillage. Et puis, c'est juste... Franchement, si vous prenez vraiment du plaisir à conduire ces trains-là, je vous comprends pas. Hein. Franchement, je vous comprends pas du tout. Hein. C'est juste pas fun. Enfin, c'est chiant. Après, le truc allemand, bon, ça, y a de la vitesse, tout ça. Bon, moi, j'ai jamais réussi à en piloter un sans les tutos. Et même avec les tutos, j'arrivais quand même à faire échouer la mission. Alors, allez savoir pourquoi. Sinon, non, il y avait vraiment que les... Il y a vraiment que ceux-là, quoi, ils sont bien. Où va-t-on? Emplacement et tout. Ouais. Miles en train, miles à pied. J'ai fait 11 km à pied. Enfin, 11 miles, donc kilomètres, je suppose. Attendez les gars, on va faire une petite pause de 15 minutes, comme d'hab. J'ai un truc important à faire. Mais attends. En attendant, je vais essayer de me renseigner sur les... Attends, je vais mettre un petit message dans le chat pour prévenir quand même. Alors... Petite pause de... 15 minutes. Je reviens après. Voilà. Ça vous laisse le temps de prendre un petit goûter. Ou même si, bon. Voilà. Hein. Petite pause de 15 minutes. Voilà. J'arrive tout de suite. Tout de suite, dans 15 bonnes minutes. J'arrive tout de suite. Le live, je le mets en pause. En gros, vous verrez plus le jeu, hein. Vous verrez justement un truc qui pose et puis un truc qui tourne. C'est le truc bleu là. Et donc voilà. Allez, j'arrive tout de suite, les gars.
Re les gars. Re. Alors. Bon, j'ai pris un peu plus que 15 minutes. Mais au moins, je suis là. On va faire un petit trajet ou deux et puis on va s'arrêter là, je pense. Allez. Ok, c'est bon. On va faire un trajet libre. C'est-à-dire qu'on va faire... Non, attends, on va faire ça. Avec lui. Après, il met de nouveauté. Chelou. Voilà. Et on va se faire un trajet de jour. Ouais, 7 heures après, ça va être trop le matin. Heures Saint-Pancras, genre on commence par où? Ils disent pas non plus par où on commence, donc moi je peux pas savoir. Attends. 14 h, Saint-Pancras International. On va faire celui-là. Ensuite, on va faire on va mettre. On va mettre personnalisé et on va mettre est-ce qu'on peut mettre de la neige? Oh, tempête de neige. Ouais, mais tempête de neige, c'est... On va faire feu, ouais. On va mettre dégagé. Du coup, on va pas mettre, on va mettre en juillet. Comme ça, tu vois, il fait bien chaud et on est bien. Allez, let's go. J'espère qu'on m'entend bien. Parce que ça. C'est pas bon si on. Allez. Conduisez ce train. Ouais, bon. Alors, déjà. On ouvre les portes. On met un éclairage. Lampe, cabine. Ventilateur fort. Ventilation, on va mettre clim de toit. Température, on va mettre froid. Phare, service de jour. Quoi d'autre? On va se mettre en marche avant. Là, faut-il... Est-ce que mon pantographe est activé? Oui, donc ça c'est bon déjà. Puis voilà. Hein. Je dois partir dans 1 minute. Oh, il est stylé le train là. Oh, non, c'était une affiche, merde. Quel con. Ah ouais, lui il a un double train. Moi aussi je veux bien un double train, mais je sais pas comment on peut faire. Bonjour monsieur, vous voulez monter dans mon train? On va aller jusqu'à l'autre bout de la map. Allez, montez, c'est payant, mais c'est payant. Alors, on se met en vitesse 3.
Allez, ciao les copains. Let's go. De mettre en clignotant, donc on va ralentir encore. Ah mais je crois qu'ici ils vont me faire ralentir pour je sais pas quoi, et après je vais devoir hop, que je sais pas hein. Fermer le disjoncteur pour être allumé. Je comprends pas là. Oh non! Bon bah attends. Faire un freinage max. Oh ils sont chiants. Hein. Fermer les disjoncteurs pour être alimenté. Tes disjoncteurs.
Mais c'est quoi tes disjoncteurs? Allez, vas-y, c'est bon. Casse les couilles, quoi. C'est pour ça que j'aime pas, en fait, les... C'est chiant. Tu fais un truc, le mec, il dit fermer les disjoncteurs, comme si tu savais où c'était tes disjoncteurs de mort. Putain. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? Sérieux. Fermer les disjoncteurs, comme si que je sais. Putain. Oh, c'est tellement chiant. Cette introduction, c'est casse-couille. Ce qui m'emmerde aussi, c'est que je... C'est ça vraiment qui me pose le plus de problèmes là. Parce que là, ils me disent de créer un compte d'Oventile, je sais pas quoi là. Accéder aux récompenses, bah je veux bien, mais je sais pas ce que c'est que son truc. Quand je mets mon adresse mail, et bah il me dit que c'est pas bon. Alors, tu veux que je mette quoi? Tu veux que je mette... Attends. Je comprends pas là. Ouais, non, parce qu'après on va m'envoyer plein de mails, ça va être chiant. Je vais pas le faire en live, je vais éviter. Ah, bon, bah, je sais pas quoi faire. Hein. On va peut-être faire une autre. Faire avec lui. Attends. Minutes. Vous voyez, le problème c'est que là j'ai pas de. Tant pis, on va faire lui pour la dernière 20 minutes et puis après on s'arrêtera là pour le live. Parce que je vous avoue, en fait ce jeu il est bien pour jouer, mais sur la durée après ça devient long quoi. Putain, on voit rien. Normalement, il y a la lumière. Ah bah super, putain. On va faire ça. La lumière, il n'y a pas un truc lumière quelque part là? Sablière. Sifflet. Attelé. Donc là en haut, il n'y avait pas des portes. Service de nuit. Feu arrière. Service de nuit, ouais. Clim. Sérieux, je vois rien. Ah, attends. T'es sérieux, c'est quoi cette... Ouais, c'est ça. Y a pas que ça comme éclairage quand même. Tu vas pas me dire qu'il y a que ça. C'est pas normal là. Ah. Ouais. Même là. C'est chaud hein, quand même. Bon. Marche avant toujours. Comme il fait chaud, on va mettre la clim au max. Chauffage total. Voilà, comme si on était. On va peut-être pas non plus autant. Mettre à. Allez, 60. Voilà, parfait.
Par contre, le signal, oui, je veux bien, mais... Ah, c'est bon. Allez, on est parti. Merde, non! Putain, je fais n'importe quoi! Parce qu'il veut faire ralentir à 15 là. Oh, putain, j'ai flippé, j'ai cru que je devais m'arrêter là dans le piqué là. Il m'a dit 30 hein, donc 30 c'est 30 hein. C'est là encore mon arrêt. Oh là là, quel bordel.
Ah, j'ai un double train. Ok. Ah! Genre en gros, quand on ouvre là, il y a plus de lumière. Sauf qu'après, on voit beaucoup moins. Enfin, je veux dire, on sent un peu collé après, hein. Il me met au rouge là. À mon avis, le 8. Ouais, ce sera après. À mon avis, hein, ça doit être ça. Hein. Parce que si je me prends un rouge, je me sentirai un peu con quand même. Hein. Ah, mais quoique non. Celui-là, il met 0,6. Là, il met 0,5. Donc, c'est dire que je devrais m'arrêter avant. Ouais, je sais pas. Hein. Ah ouais, il est juste là, le feu rouge. Alors, quoi laisse passer cela? Ouais, parce qu'il y a un mec. Bah non, même pas. Mais quel bordel quand même! Là, je passe d'un train qui va super vite à 250 et tout, à un train qui se pointe à 16 km/h là. Là, monsieur, il va devoir attendre pendant un moment. Alors, débarquer les passagers. Et là, après, j'aurais arrêté le train, tout ça. Déjà, ce qu'on peut faire. Il me semble qu'il y avait un bouton pour désactiver les.
L'alimentation de l'arrière, là, c'est pour... De toute façon, remarque, je dois attendre puisque comme le feu est rouge. Le dépôt comprend des aiguillages manuels, ceux qui doivent être réglés correctement avant. Donc attends, là je suis là. Donc là mon train il va faire ça. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et moi il faut que je m'arrête ici. C'est à lui qu'il faut que je parle, non? C'est... Il y a un livre là sur la carte. Façon, le feu est toujours rouge. Je sais pas, je suis toujours... Genre là, le train, il va faire ça. Là, c'est bon. Faire ça, il va faire ça. Ça, ça, ça. Ensuite, là, il va aller là, là aussi. On s'en fout de là où, celui-là où il va. Parce que pour l'instant, lui, il va faire ça. Lui, il va aller là. Tac, 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 tac. Et voilà. Avance un petit peu alors. Hein. Ah bah voilà, c'est bon, il est vert. Pourquoi là ils me mettent rouge alors que là c'est vert? Putain, je sens que je vais me prendre un... Là ils me disent que c'est vert. Hein. Moi je sais pas. Hein. Là... Moi je vois, il y a... On est d'accord, hein, je suis pas daltonien, là c'est un rouge. Hein. Ah bah apparemment c'est bon. Ah non, c'est bon, je peux accélérer. Ah bah non, en fait. Je dois ralentir.
Faut vraiment que je m'avance encore, hein, putain. Alors, on active le dé machin. Cela fait un peu roleplay. Service de jour, désactivé, phare arrière, désactivé, clim minimum. Voilà, maintenant c'est bon. Bon bah écoute. Bon, sur ce les gars, je pense qu'on a fini un peu notre petit live, hein, du coup. On a fait 2 heures, mais bon, comme je me suis absenté peut-être 20 minutes, une demi-heure, je sais plus. On revient juste après. Alors, attends, déjà, évidemment. À dire que c'était bon. Allez, hop. Bon, bref, les gars, sur ce, j'espère que ce petit live vous a plu. Ça a changé un petit peu. Alors, attends, je vais juste. Parce que je crois que j'ai pas créé de playlist pour Train Sim World 3. On va voir ça. Let's go. Alors, God of War. Non, il n'y a même pas. Bah, attendez, on va en faire une. Confidentialité publique. Et on va mettre Train Sim World 3. Voilà. Et là, du coup, celle-ci, on va l'enregistrer dans Train Sim World 3. C'est parfait. Bon, bref, sur ce, merci de m'avoir suivi sur ce live. On se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. On ne sait pas sur quoi. Est-ce que je vais reprendre du service en tant que flic? Est-ce que je vais être encore conducteur de train? Est-ce que je vais déglinguer des mères sur Apex Legends? Ou sur un autre jeu? On ne sait pas. Vous verrez bien si vous avez la notif, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je tiens à dire, hein, que. Je tiens à dire qu'il nous reste qu'une dizaine d'abonnés. Et dans cette dizaine d'abonnés, on attend les 100 abonnés. C'est-à-dire qu'on est à 3 chiffres. Et oui. C'est comme quand, vous savez, vous avez 9 ans et que vous, c'est votre anniversaire, vous avez 10 ans. Vous vous sentez grand, vous voyez? Enfin bref, merci de m'avoir suivi. On se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!